Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le premier haul-in de Sam. C'est son idée. C'est mon idée, j'assume. Par contre, j'ai la tête. Je me réveille juste de ma sieste. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans le haul Primark, Georges n'avait rien trouvé pour lui chez Primark. Donc, on lui a donné le budget chez Shein, qui était de 80 euros. Et j'ai lâché. Et papa, il le truc. Même moi, j'ai jamais reçu un colis aussi gros de chez Shein. Donc, moi, je vous affiche les prix au montage. Il va prendre au fur et à mesure. Et on va regarder ce que c'est. D'écrire un petit peu, puis il essayera. Je filmerai avec mon téléphone pour que vous le voyez, puisqu'il a pris les ensembles aussi. Le son sera un peu différent. Vas-y. Je me mets comme ça, en vrai, ça passe. Hein. Prends ton premier paquet. Ah, bah, je sais c'est lequel. Et ben, moi aussi, je sais c'est lequel. Tu vois, en fait, c'est. Ah, c'est Romy pour homme. Hein. Oui, comme ça, les messieurs qui me suivent auront un haul. Hein. Je savais même pas que Romy avait une classe pour homme, hein. Enfin, une section pour homme. Mmh. Donc, il s'est pris un. T-shirt parce que ça a l'air super fin. Ouais, c'est super fin. Bon, ça va encore. Ouais, c'est fin, mais ça va encore. Donc, c'est marqué Japan. Alors, c'est du flocage bien nettoyé à l'envers, hein, comme d'hab. T'oublies pas de le retourner avant de le mettre dans la machine, sinon les dessins partent. Avec des dragons sur les manches. Oh, ça, c'est riche. Ben, attends, avant d'enlever, il faut que tu essayes d'abord. Et on a pris en quelle taille? On a tout pris en L, pour être sûr. Attends, parce que du coup, j'enlève mon pull, ce sera peut-être plus simple. Dégage, tu fais pas un striptease. On fait pas un striptease là, on fait pas un striptease. Donc il va essayer ça dessus et moi j'ai pris mon. Mais enfin. J'ai pas tout. Mes cheveux, c'est la guerre. Il n'y a pas que les cheveux. Donc en tout, il y en a pour 80 euros. Hein. Il a dépensé ses 80 euros en tout. Écoute, c'est mieux que ça que sur des jeux vidéo. J'avoue. Je me bats avec mon pull, ok. Forcément, s'il met 3 heures à mettre un pull, la vidéo va être longue. La vidéo va durer 5 heures. Ouais, bah heureusement qu'on n'a pas pris les mêmes. Hein. J'ai regardé sur les tailles, puisque les tailles hommes, je ne connais pas du tout. Je connais ma taille à moi. Les tailles hommes, je ne connais pas du tout. Donc, on a pris les mesures. Et comme ça, on sait maintenant que le L, ça va quoi. Recule un peu, qu'on voit la longueur. Il arrive ici, sur le noir, ça ne se voit pas trop. Les manches, c'est nickel. Oui. Voilà. Un tout petit peu trop large, peut-être ici au niveau des épaules, mais ça va, ça fait pas. Non, ça tombe bien, tourne. Dans le dos, il y a rien. Dans le dos, il n'y a rien, mais il tombe bien. Non, bah, c'est bien. T'aimes bien? Ouais. Tu valides. De toute façon, j'ai pris que deux trucs que j'aimerais bien, mais ils sont vraiment. Oui, en même temps, c'est un peu logique qu'il commence des trucs qui. Ça, c'est un ensemble, hein, la taille du truc. Ouais, il a pris. C'est deux ensembles que tu as pris, je crois. Ouais. Et celui-là, je. Et un troisième lot qui fait un ensemble aussi, un peu. C'est le NASA, celui-là. Ouais. Il avait l'air beau, celui-là. Bon, on va d'abord montrer le pull. Si je casse pas tout. Bon, ça risque pas de casser, mais ça va faire du bruit. Donc là, c'est ensemble, c'est un jogging. Hein, donc NASA, alors c'est marqué rouge, mais c'est vraiment du. Un peu brique comme ça. Il est très beau. Avec des poches latérales parce que Georges adore ça. Et une capuche. Hein. Et une capuche parce que Georges adore j'en ça. J'en ai le seum parce que sur celui-là, il y a et pas. Et dans le dos, il est tout simple. Montre le dos quand même. Mmh. Et le pantalon. Ça va être un bordel ici après. Voilà, marqué NASA ici, donc flocage encore, faire attention. Et lui, il adore parce qu'il y a des bandes sur le côté. Je sais pas pourquoi il aime autant. Quand... C'est vrai que t'aimes beaucoup quand il y a des bandes blanches sur le côté, toi. C'est pas vrai. Et c'est un tout petit peu resserré au pied, mais ça n'a pas l'air. Ouais. Et un cordon pour resserrer. Maintenant, ça va être marrant, je dois me changer intégralement. Il va se changer intégralement. À demain, les gens. T'as un gros ventre. Oui, je sais. Ça, c'est parce que papa fait bien manger. Non, pas moi. Non. Ça, c'est Lenzo qui fait manger. Oui, je sais. Oh, ça va être. Bon, sinon, tant qu'il fait son mannequin, là, vous allez bien? Je suis un top modèle, moi, qu'est-ce qu'il y a? Il met beaucoup de temps. Hein. C'est quoi qu'on voit là? Ah, c'est ton sac. Voilà, on ne le voyait pas avant. Bon, ça va. Ça me perturbe. Bah, après, je suis obligé de filmer en cadre très large, déjà pour quand je suis debout, mais en plus, comme on est à deux. Je vais finir à poil à la fin de la vidéo. Le premier qui n'a pas de vêtements a perdu. C'est toi qui as pris des pantalons? Hein. Oui.
T'assumes? Par contre, le pantalon a l'air un peu large. Hein. Je flotte dedans presque. Oh non. Bon, faut que tu le remontes un peu plus. Oui. Parce que c'est une ceinture haute, donc. Oh non, ça va. Hein. Bon, il est un peu large, oui, j'avoue, mais ça va. Hein. Au moins, t'es à l'aise. La grande. Ouais, mais je vais filmer. Donc voilà, l'ensemble, et, bah, il tombe plutôt bien. La couleur, j'aime beaucoup. T'aimes bien, tu valides? Oui. Le pantalon, il est un peu large au niveau. Ici. Mais ouais, avec le pull, ça va nickel, tourne. Non, c'est bien. Ça me fait un gros boule. Attendez, je vais filmer avec mon téléphone pour que vous voyez en entier. Donc je vais vous cacher, genre. Ou moi, je ne sais pas si je suis sympa ou pas. Voilà, suivant. Attends, je me recoiffe. Attendez, maintenant il fait sa coiffeuse. Je suis devenu une meuf. Je m'intéresse aux habits et tout. Il n'y a rien qui va. Ah, bah ça c'est une autre pub. Ah ouais, celui-là il faisait bien classe. Celui-là il faudrait que tu le gardes pour le mariage de parrain. Parce qu'il fait quand même assez classe. Il a l'air plus large que l'autre. Hein. Oh ouais. Oui, il a l'air vachement large. Ouais. Oh, il va peut-être falloir l'échanger celui-là. Ça sera une robe de nuit. Avec les manches à carreaux comme ça. Tu l'as pris parce qu'il y avait un A avec un petit cœur, je suppose. Non, même pas. Ah, j'ai même pas calculé. Ah, la capuche est aussi à carreaux. Non, c'était bah, pour l'autre truc qu'on verra après. Un côté noir et un côté rouge, comme ça j'ai trois trucs ensemble. En fait j'ai que des ensembles du coup. Ouais vas-y change ça. Bon ça va, là t'as besoin que d'enlever le pull. Mais c'est là, celui-là il faudra peut-être l'échanger. Ouais. Bon, je vais t'apprendre du poids. Hein. S'il faut l'échanger, il faut que tu le remettes dans le sac que tu l'as ouvert. Hein. Ouais. Si je me rappelle celle-là. Bah, c'est celui que tu viens de poser là. Non, en vrai c'est vrai. Peut-être un peu gros. Peut-être un peu gros. Surtout au niveau des manches. Non, bah, c'est ça. Ah, oui, quoi que ça va encore. Bon, c'est un peu bon, plus éthique. Loose que. Ouais, tu vois, c'est deux manches. Quoi. Oui, c'est une superposition. Oh, bah non, finalement, ça va encore. Bah, ça baille un peu ici, quoi. Bah, si je les tire, bon, ça ressemble à une robe de nuit. Tu préfères qu'elle soit en plus étroit ou pas? T'es mal à capuche. Non, ça va comme ça. Ça va? T'es sûr? Ouais. Tourne. Dans le bout, il n'y a rien, c'est pour montrer la hauteur. T'aimes bon. Bien aussi, tu valides? Ouais, pop, pop. De toute façon, je valide, c'est trop cool. Il aime tout, quoi. Oh, c'est, oh. C'est le fameux papillon. Comme je l'appelle. Hop, oh. Il y aura plus de place sur ta chef, on va en ramener une plus grande. Prends, il y a mon chose sur la marchandise, bah, c'est un gilet. C'est une matière, c'est entre le suite et entre la matière un peu, vous savez, maillot de bain comme ça. Il a l'air agréable. Il y a une capuche ou pas? Ouais. Ouais, il nous laisse même pas regarder la. Non, non, jamais. La qualité du bazar. Hein. Ouais, moi je m'en fous. Il a trop envie d'essayer. Essayer pour savoir, je mets quoi demain? Il avait trop hâte de recevoir sa commande, pire que moi. Écoute, on refait des avis. Là, à peine je me suis levé de ma sieste, il est maman! T'as reçu la commande? T'as reçu la commande? Oui. Ouais, filme-le. Ouais, je me réveille d'abord. Non, je t'ai dit, je te laisse d'abord te réveiller. Mm-hmm. Ah putain, je bave. Par contre, ouais, du coup, j'avais pas pensé, c'était du blanc et du noir. Il y aura un côté sale et un côté poil. Ah, c'est ça. Ouais, wow, il y a un film. Alors, c'est du flocage. Ah, bah, c'est du flocage que pour le côté blanc, mais non, c'est brodé. Enfin, brodé. C'est coloré. Donc, mais il faut quand même, t'oublie pas de bien retourner tous ces vêtements-là avant de les laver. Hein. Ouais, il est stylé. Ouais, il n'y a pas de poche. Bon, je le remettrai avec un pantalon après. Ouais, j'aime bien. C'est original en billet, en bicouleur comme ça. C'est original. Tu valides? Je crois que oui. je crois qu'il aime bien. Je crois qu'il en a aussi deux. Voir trois. Attends, je suis choqué, je sais pas celle-là. Ah si, c'est le pantalon dans la dent. Ah! Avec les petits. Possible. Bah si c'est ce mélange, je le mettrai après. Avec le t-shirt? Ouais. Il manque quelque chose ou pas? Non, je crois. Non, non, non. Après, normalement, c'est le t-shirt. Oh. Je sais pas pourquoi il a voulu ça. Alors, moi, ça me fait hyper penser au, un peu au sourire de. Ça serait deux croix, ça me ferait penser à. Comment ça s'appelle? Et Harley Quinn? Mais... D'ailleurs, je me dis, il y en a un autre à peu près comme ça. C'est stylé. Et c'est vrai que l'ensemble peut faire sympa. Mais... Si en plus, c'est décalé. Faut que je mette le t-shirt.
Je le mets après quand on a le t-shirt. Bah non, essaye-le avec le truc déjà et puis après tu mettras le t-shirt. Ouais, mais du coup je vais devoir enlever le gilet pour le remettre et puis check. De toute façon, tu devras quand même le faire après, Zarmion. Attends, parce que là ça prend cacahuète. Il n'y a plus rien qui va ensemble. Il est un petit peu trop soir pour le côté blanc. Pas que tu mettes un caleçon noir en dessous. Oh, je vais le mettre en rouge. Ah bah ouais, du coup c'est bien, faut que tu filmes. Alors, je vais vous filmer pour vous montrer. Vas-y, mets-toi devant la porte. Ah oui, son fameux t-shirt. C'était pas celui qu'il avait choisi au départ parce qu'il avait pas sa taille, donc il a ripé sur un autre. Qui est quand même stylé. Et qu'un nounours. Don't run. T'es mal le nounours. T'es mal le nounours. Enfin, ça fait un peu Mickey possédé, je sais pas. C'est un mélange entre Mickey et Stitch. Ça me fait penser aux Gremlins. Non, du coup, il a des plus grandes oreilles. Bon, du coup, c'est vrai que j'ai pas le t-shirt que je voulais parce que je crois que le t-shirt était un peu comme le gilet. Non, c'était un tout noir aussi, il me semble. Moi, je suis bon. Mais il y avait plus de dessins blancs dessus. J'ai fait un ensemble avec trois trucs qui n'allaient pas ensemble, ok? Bah si, le pantalon, enfin ouais, le pantalon et la veste, ça va super bien ensemble. Allez. Alors, est-ce qu'il a des bons goûts, mon Georges? Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi ça en commentaire. Et j'ai regardé ça tout seul, comme un grand. Ouais, comme un grand, tant qu'il est aux chiottes. C'est vrai, hein. C'est ça le pire. Il m'a envoyé, je veux ça. Puis j'ai eu un caleçon, mais j'ai pas pu le prendre. Ouais, il est chouette. Il est beau. J'aime bien. J'adore la tronche d'une ours. Et puis maintenant. Et il tombe bien celui-là. Et puis après, le gilet par-dessus. Attention, il va vous montrer son look complet. Ouais. Si je me. Après, ça fait peut-être un peu bariolé quand même. Entre les. Le nounours, les papillons. Les... Il y a beaucoup de trucs dessus. Ouais, je crois que tout ensemble, ça ira pas trop. Hein. Moi aussi. Faut juste que je ferme. Bah alors, ça sert à rien de mettre le t-shirt. C'est vrai que. Mais si, des fois j'ai chaud, du coup, des fois je serai. Ou quand je viens manger. Allez, dernier. Ouais. Il y a la petite qui pleure en bas, c'est parce qu'elle fait. Enfin, elle pleure ou elle harcèle Ryan, je sais pas. C'est bon, il n'y a plus rien. Hop, casse-toi, sachez. Donc le dernier, c'est encore un ensemble, un peu dans le même style là, mais en noir et rouge. Et c'est un t-shirt. C'est un t-shirt. Ouais, c'est un t-shirt. C'est pour ça que j'ai fait le truc avec le A, c'était pour regarder. Mais ça ira pas avec. Ouais. Mais je le ferai quand même avec, je m'en bats les couilles. Encore avec un smiley bizarre. Un j'aime smiley bien les un smiley peu gothique. Vous avez remarqué. Bon, ça, tu sens bien que c'est la matière d'un jogging. Hein. Ah ouais, c'est la matière jogging. Ouais, il a l'air assez chaud quand même. Et vous avez encore le. Et maintenant. Je sais pas pourquoi il a autant craqué sur les trucs bicolores comme ça. C'est parce que j'ai des chaussures noires et rouges et j'ai pas de tenue noire et rouge. Ah, c'était pour les chaussures, pardon, autant pour moi. Bah ouais, écoute. Après, tu ranges tout, t'enlèves les étiquettes. Ouais. Ah là, c'est vrai, t'es du même côté, donc ça fait peut-être un peu moins clown que l'autre, que c'est inversé. Hop. Bon, on tape peut-être pas. Ouais. On verra plus le sourire. Ah, c'est bien, c'est pas tout à fait le même rouge. Ouais, t'as vu? C'est pas tout à fait le même rouge entre le t-shirt et le pantalon, alors que c'est un ensemble, c'est un peu dommage. Mais ouais, oh, j'aime bien. Vas-y, recule, je filme. Oui, c'est gérant, on fait ce qu'on peut, hein. Alors, coordination. Ben voilà, la dernière pièce. Non, c'est pas le même rouge encore. Après, faut que tu restes dans le noir ou dans le blanc pour aller avec celui-là, hein. Dans le noir de préférence. Donc voilà, pour le petit haul de Georges. C'est quoi la pièce que tu préfères alors? Je pense que c'est la NASA. Le jogging NASA? Ouais. Ouais, mais il est bien, il a l'air bien cosy, bien chaud. Oublie. Et la couleur est jolie aussi. Ouais. Et le gilet aussi. Ici, le gilet. Bon, après, je crois qu'il a fait les bons choix. Donc, écoute, comme là qu'il fait ses exercices maintenant. Donc, dites-nous ça en commentaire. Et ben voilà, ça clôture ce haul. Je vous mets les liens en barre d'infos pour ces messieurs qui me suivent. C'est Georges qui a eu l'idée de filmer le haul, hein, quand même. Vous pouvez le remercier. Il s'est dit que tu as quand même des messieurs qui te suivent, donc ça te ferait bien de faire un haul. C'est une vidéo qui fera le plus de vues, alors bon. Vous avez intérêt à mettre le max de pouces en l'air, sinon il va me déprimer pendant 15 jours. Donc ben justement, on n'oublie pas mettre. Moi je dis 50 likes sur cette vidéo et on fait la prochaine dégustation.
La dégustation, ça coûte cher. Eh, j'ai dit qu'on devait en faire une autre. Oui, bah tu dis... Mais t'étais d'accord, t'as dit aussi. Oui, on en refera une. Voilà. Bref, tu m'as coupé pendant mon... N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. D'activer la cloche et de s'abonner. Et de s'abonner, de s'abonner. Et d'activer la cloche. Et la cloche. Et de commander. Et d'acheter des bananes. Et de commander. Et de commander. Ben non, ça ne me fait rien gagner. Ils commandent. Ouais, mais c'est toujours bien de commander. C'est pas affilié Chine. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ben moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Georges, je vous dis... Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et ceux qui ont la rêve, je vous aime. Ils vous aiment. Les autres, ils vous aiment aussi. Hein. Je crois. Donc moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous. Et moi je vais ranger tout mon bordel.